Bonjour, aujourd'hui, ça fait des bulles. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Une pub mettant en vedette Brad Pitt a été interdite en Malaisie parce que l'acteur a été jugé trop beau. Alors vérifions tout de suite cette info avec une spécialiste, notre correspondante, la veuve Clito. Bonjour, vous êtes où ? Bonjour, mon petit bouchon. Je suis à la cage au Fall City. Non mais tu te rends compte, hein ? Interdire de travailler à ce beau garçon parce qu'il tutoie les anges de la beauté. Non mais quelle époque, mon petit chat. Non mais quelle époque. Moi, quand j'ai engagé les artistes de mon cabaret, il n'y avait pas que de l'étalon. Il y avait aussi du demi-sel, crois-moi. Mais toujours tiré à quatre épingles. Non mais si le Brad Pitt avait sonné à ma porte, c'est du collet serré que je lui aurais fait, hein. Je l'aurais habillé en petit body fluo avec des répétos aux pieds, hein. T'aurais jamais entendu parler de la Angelina Jolie, mon poussin, hein. Alors crotte. Non, je demande à tout le monde de signer une pétition pour sauver le soldat Brad. Et vive l'amour. Merci à vous, la veuve Clito, d'avoir validé l'info pour le BVI. Non mais c'est tout normal, mon petit canard. Hein, Renato ? Renato ! Non, mais dis à Jacob que j'ai encore perdu mes talons hauts. Hein ? Oui, les mauves. Bon, dépêche-toi, sinon la grande Zaza Napoli ne jouera pas ce soir. Au secours ! Renato ! J'ai une escarbille dans l'œil. Appelle les pompiers ! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.